Salut tout le monde. La 113-51, 14 km, 33-01, Rémi d'Indy 33. Vu que je travaille la nuit, c'est bon, je viens de prendre mon petit déjeuner. J'arrive, il y a le Québec qui est derrière. Enfin, quand je dis derrière, vu la force, vu comment il m'arrive fort, bon, ça fait quelques petites vagues. Alors 15h25 là ici, je m'installe. Breakover. Alors,
73-51, Gilles. Il est où? Il est où? Il est où? Hop, là, attends, je vais me foutre un pet à la caméra. Wow, oui, ça fait une demi-heure, tu vois, là, que je suis debout, là, c'est tout, là. Alors, mauvaise dire de t'avoir. Je l'ai fermé, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est... Oh, ouais, bah, j'ai pris mon petit déjeuner, ça va, tout va bien. Et je suis en train de réaliser un truc. Sur le web SDR d'Ottawa, là, mais là, tu vas pouvoir le dire que je suis un âne. Je viens juste de me rendre compte, là, aujourd'hui, que j'étais en Lima Sierra Bravo sur le web SDR d'Ottawa, alors qu'on est en uniforme Sierra Bravo. Ah, tu m'étonnes que je m'entendais plus dessus, quoi. Oui, aïe, 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 aïe. Oh, grosse fatigue, vivement la retraite. Ok, tout ça retourné. Alors, attends, que je suis en train de démarrer. Voilà. Oh, je m'entends dans le web SDR d'Ottawa. Les 73-51 retournés à tout le monde. Ok. Bon, ben, du coup, tu vois, c'est moi qui déconne plein pot, là, concernant le web SDR d'Ottawa, là, sur plusieurs QSO. Puisque, si, ça passe toujours autant, aussi bien dedans, donc il n'y a pas de problème. La propague est toujours bien là, elle n'a pas changé. C'est moi qui déconne plein tube. Eh bien, c'est une blague. Hop. 17 degrés, nous. Pas si sûr. Et le sud reste le sud. Hein.
17 degrés sur la Gironde. Ah, il y a des fois, on réfléchit pas beaucoup, sans déconner. Depuis plusieurs jours, depuis plusieurs QSO. Ouais, depuis plusieurs QSO, j'entendais un petit peu en décalé ceci, cela et tout. Mais quel âne! Pas un instant, j'ai regardé si c'était sur le bon mode. Ah mais ça y est, je sais pourquoi. C'est quand j'ai dû tout basculer sur le second ordinateur, vu que l'autre il est mort. Par défaut, quand on arrive sur un... Quand on arrive sur un web SDR, un radio amateur, parce que là c'est le cas, hein, où on peut écouter à CB dessus, et bien souvent c'est en Lima, Sierra Bravo. Oui, ça va aller. Waouh! Ah, il a mis un paquet là. Bon, je remets le haut-parleur à côté. Alors, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Eh bien, ça passe plus dedans. J'enlève le. C'est toujours autant de tous. Affirmatif, je l'ai entendu via le web SDR. Je suis heureux, j'entends à nouveau les stations en stéréo. Par contre, je ne l'ai pas entendu en direct de mon côté. Donc les 73-51 retournés, 14 km 33-01 Rémi, via une écoute sur le web SDR d'Ottawa. Faut pas grand chose hein, pour quelqu'un d'heureux. Ah, j'ai entendu un râleur d'ailleurs.
Ah, c'est tout léger, hein. Au contraire, ça relève... Réglé comme il l'a fait, ça relève la modulation. Et on a pu le confirmer dans certaines vidéos où on entend Gilles vraiment bien comme il faut. On voit que là, ça relève juste un peu, comme une saupoudrée de... quelle plante aromatique il y a dans le midi ? De cumin, juste... Bon, là, je crois que je peux aller me recoucher, moi. Là, il veut qu'il baisse. Bon. Faut que je lui dise, il a des messages sur ses vidéos YouTube de samedi et dimanche. Thank you.
Je vais voir si une station qui vous prend une compagnie de marche bien sur Webestia. Je suis que le corps de mes conneries. Ouais. Quand on n'entend pas, vérifier qu'on soit sur la bonne fréquence, c'est clair, mais sur le bon mode aussi. C'est évite d'avoir l'air con comme j'ai en ce moment. Comme tu disais, Gilles, dans ta vidéo, en DX, c'est comme ça. À choisir, vaut mieux avoir une écoute, un poil aigu qu'on comprendra toujours mieux que grave. Passe nulle part. Affirmatif. Ok, merci pour le retour de micro avec tous les bruits qu'il y a. Ah ben non, j'allais dire, il y a quelqu'un qui s'en module derrière. Quel con, c'est ma gueule que j'entends derrière. Dans le WebSDR. Pendant que j'y pense, Gilles, tu as des messages sur sur les vidéos YouTube de samedi et dimanche. Donc là, la secrétaire a fait pas bien son travail, parce que t'as des messages là sur samedi et dimanche et personne n'a répondu dessus. Hachi! Ok.
Non, j'ai été surpris. Là, je suis allé là tout à l'heure. Là, je suis allé voir comme ça vite fait. Twitter, je vois, c'est pas un, mais plusieurs messages qu'il y a sur samedi et dimanche. Hein. Ah, tu as le monde à tes pieds, Gilles, tu as le monde à tes pieds. Ils sont tous là derrière, justement, à attendre que tu leur passes le micro, que tu leur répondes aux messages et tout et tout et tout. Va falloir que tu embauches une secrétaire, Gilles, parce que celle actuellement, elle fait plus son travail. Prends-en deux. Deux, c'est mieux. Comme ça, avec toi, ça fait trois. Il y a... Non, je te laisse deviner. Bon, je laissais peut-être un petit peu la place aux autres stations qui veulent t'avoir à tout prix en fréquence. Hein, parce que je sais qu'il y a du monde. Hein. Je le vois aussi là, dans les messages à droite, à gauche, là, de mon côté et tout. Des messages du genre, à chaque fois, je vais plusieurs fois, assez souvent sur la fréquence de Gilles, je lance des appels et tout, ça passe pas, j'arrive pas à l'avoir. J'ai que 25 watts ou 12 watts sur mon poste, j'ai pas assez de puissance. Voilà les messages que je vois là un peu partout. Hein. Allez, en avant les stations, là pour Gilles, 9 Bravo Charlie 555 qui est à votre écoute derrière et en même temps, il est prêt à vous signer des autographes. Faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Voilà. Voilà. Mais tout le monde ne comprend pas ça. C'est pas grave, on va arriver à les contaminer un jour ou l'autre. Petite coupure de caméra. Est-ce que quelqu'un a une solution facile pour faire sauter sur ce compte à rebours sur un appareil photo caméra? Parce que j'avoue que ça prend la tête ce truc-là. Et puis sur tous les appareils photo caméra, c'est pareil. C'est pas évident. Ouh, ça marche bien. Ah. Je vous remercie.
vaste cacophonie. Thank you.
Quelques mois même. Ça fait quelques mois. Ah oui, sauf erreur, ça doit faire depuis l'automne qu'on est comme ça en QSO. Ouais, je regarde sur les vidéos, mais je crois que c'est ça depuis l'automne. Putain, c'est report qu'il a. Pour YouTube et sur Facebook, Gilles avec ton nom. Décalage horaire. Alors du côté de Gilles, avec le décalage horaire, 6 heures. Ce qui fait là maintenant, ça sera que pour nous sur la 14, que demain en ligne. Oulalalala.
Et j'entends quelqu'un derrière. Ah, j'ai entendu quelqu'un très QRP là sur le web SDR d'Ottawa. Je pense que j'ai dû prendre les micros au moment où il fallait pas. Désolé. Ouais, désolé. Département 50. Jacques. Juste en face de toi, si j'ai bien compris. Donc, côte atlantique, si j'ai bien compris. Là, ça fait un peu bois bas. Bois. Pouf. Les appels arrivent derrière.
Gilles, embauche une secrétaire. Comment s'y retrouver là-dedans? C'est un foutoir. Bon, j'ai baissé un peu le web SDR parce que là... Je sais plus quoi suivre. Oh la vache! Bon, une chose est sûre, c'est que ça propague. Hein. Même avec cette table puissance, ça passe pas. Il est à l'est d'Ottawa, d'accord. Ce qui est étonnant, c'est que je n'ai pas entendu plus fort que ça sur le WebSDR.
Il y en a un qui est par là. Je sais plus où écouter, moi. Il va falloir faire un choix, moi. Je garde les deux. Ça. L'activité solaire est pas mal. On voit ça sur le site Solar Am. Merci. Je ne t'entends pas qui... Dany ? Qu'est-ce qu'il a dit sur le WebSDR ? Alors, baisse de propag. Là, il est 16h25. Moi, je suis caché, hein. Vu ma position géographique, la ville de Lyon, je risque pas de l'entendre.
Voilà, il faut que les rebonds au niveau propague retombent en plein sur le cuirat. Il n'y a que ça. Alors je suis à 50 mètres d'altitude. Et il y a une colline qui est en J inversée, qui fait le tour de chez moi, qui s'en va après vers Saint-Émilion, qui a 90 mètres d'altitude. Donc ça fait un peu paravent, quoi. Enfin, para-onde. Enfin, surtout au niveau local, bien sûr, mais là, j'ai pas les bons rebonds de propague pour l'entendre. C'est là que je l'entends le mieux. Et j'ai encore une coupure vidéo. Zut. Je venais de faire une blague à Gilles et du coup je crois que c'est pas passé dedans. J'entendais, alors pour la petite anecdote, je l'entendais râler. Alors je lui dis stop, là t'es en train de devenir un Français. Reste québécois. Quoi. Ah ben c'est vrai que quand il y a trop de monde, c'est pas évident. Maintenant, c'est la rançon de la gloire. Ça, c'est clair. Il a des super vies, il fait des super vidéos et tout, ça, tac. Il est très, très, très présent sur les ondes. On l'entend dans sa voix. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et ben forcément, hein, les gens lui rendent bien. Hein. Là, je crois qu'il a fait un QSI, il a QRT momentanément, là. Un QRX. Voilà, j'ai cherché. Oh oui. Alors, 16h30 ici, ce qui fait du 10h30 chez lui. Oh, ça sent le café, ça. C'est si, tout fonctionne. Entre les deux morceaux de vidéo, il y a quelqu'un qui a fait un petit essai de micro. Hein. 16h35, 16h40. Oh,
Ouais, la station, ça fonctionne, les 73, 14 km, 33,01. Je vous écoute via le web SDR d'Ottawa. J'entends très QRP. Oui. Oui, les 73 à station, 14 km, 33,01, le département de la Gironde. Je vous écoute via le web SDR d'Ottawa. Ah, j'ai cru que Gilles était parti se faire un café pour revenir. Et je crois que, dans la blagounette, je vais dire que je crois que c'est un gros caca qu'il est en train de faire. Voyez, il y en a qui passent fort dans le web SDR. Il est où? C'est, j'avoue que moi de mon côté, pourtant la porte est grande ouverte, hein, puisque là je vous entends là sur le web SDR d'Ottawa. Donc c'est grand ouvert. Mais Gilles, je sais pas où il est passé. Il a dû avoir un petit imprévu ou je sais pas. Ok, plusieurs fois j'ai entendu dans le web SDR, il est où? Plusieurs fois j'ai entendu ça, et donc juste un instant là, juste avant là que tu reprennes le micro. Tiens, écoute. Ah bah tu m'étonnes, il y en a qui pourraient se tenir, il y en a qui ont des secrets gaz. Hein. Mais là aussi, j'essaie de faire deux choses en même temps. C'est pas gagné.
Voilà. Je suis en train de partager tes vidéos là sur le forum. J'ai vu que j'avais dimanche. Bon, d'accord. C'est ok, j'avais pas eu le temps de le faire ce matin. Mais j'avais aussi samedi qui n'était pas partagé sur le forum. Ailleurs, oui, mais pas là. C'était un manque à part de la vie. Bon, voilà. Samedi 11. Dimanche 12. Waouh. Hey, non, mais là, c'est pas une vache folle, hein, c'est un troupeau, là. Oui, troupeau de vache folle. Hop, il est remonté. C'est clair. Ah, j'entends quelqu'un dans le web SDR. Attends, voilà, je me suis remis à zéro. Aïe, putain, je vais me prendre du jus. Ah, mais il va falloir que je démonte mon micro parce que je me prends du jus derrière. Sur sur la croche. Vacherie. Bah, attends, reviens-moi pour voir. Ah bah, ça va être compliqué, là. Voilà, ok, oui, t'es sur la fréquence. Mais à la limite, je préfère me mettre un chouïa plus bas pour avoir une meilleure écoute. Comme tu le dis dans ta vidéo, en DX, comme ça, vaut mieux avoir une écoute, un poil légèrement un peu aigu, et c'est vrai qu'on comprend mieux, et ça, tu as bien raison, là, à ce niveau-là. Alors sur le web SDR d'Ottawa, bah oui, bah tu m'étonnes. Maintenant que j'ai compris que j'étais en Lima Sierra Bravo dessus, non pas uniforme Sierra Bravo, c'est sûr que j'entends beaucoup mieux les stations qui arrivent sur le web SDR d'Ottawa. Ah, je suis trois coups. À fond. Ouais, ah, un petit bug du côté du web SDR. Ouais, ça s'est figé. Tac, allez. Eh ben. Ah, ben je crois que c'est le navigateur qui a planté. Alors voilà. Ouais, ça fonctionne, c'est sûr, mais ça fait cacophonie aussi, hein, de mon côté. Hein. Voilà. C'est vrai que c'est pas toujours aisé là de suivre. Voilà. Oui, j'ai entendu ce message, tu disais que peut-être qu'il y avait quelque chose qui entendait Alors, non, dans tes vidéos, oui, parce que ça s'est attrapé direct. Putain, zut, j'ai le web. Ah, ben zut, ça bug de mon côté là sur l'ordinateur, sur le web SDR d'Ottawa. Voilà, attends que je réactualise. Alors, le c'est un bruit d'un wow, je ne sais plus comment. Mais c'est sur tes vidéos à toi, donc c'est le téléphone ou la caméra qui enregistre ces bruits, hein, qu'il y a. Mais d'après ce que tu m'as dit, c'est ton alimentation là qui fait ce bruit-là. Voilà, ça y est, ok, je me rentends au niveau dans le web SDR, c'est bon. Ouais, tu m'avais dit que c'était ton alimentation là qui commençait à vieillir, c'est ça? Wow, tant que c'est pas la fin du bonhomme, tout va bien alors. C'est le matin, elle vieillit, hein, aussi, hein. C'est y a ça aussi, hein. C'est oui, ça vieillit, hein. Eh bien, ouais, je vois moi au niveau là où cuira. Ça fait 14 ans que j'y suis. Je dois en être à ma troisième alimentation. Oui, c'est ça, oui. C'est ouais.
Les précédentes, c'était de... Ouais, ben bon, bref. À chaque fois, c'est des alimentations... comment dire? Ah, zut! À découpage. C'est comme ils appellent ça, alimentation à découpage, donc sans le gros transfo à l'intérieur. Et ça marche bien, mais dans les années, c'est un peu compliqué hein, à tenir. Ah, Christian, il y a un truc à faire que j'essaie de faire avec Gilles, c'est une séance vintage. Voilà une idée de QSO pour une prochaine fois. Il a un trike. Les 73, Christian, je vois, là, on voit que tu es sur directive, hein. Mais ça me dérange pas, hein, ça va, je t'entends quand même, je t'entends bien quand même. Les 73, 51, Christian, comment vas-tu de ton côté? Je vois, là, moi, au QRA, là, quand même, j'ai 17 degrés, là, ici, hein. C'est tempête de ciel bleu, 17 degrés, on va bientôt pouvoir aller à la plage. À la nuit, voilà, voilà. Voilà, Rémi, tout va bien. Le boulot va bien. Tu es en repos là où t'attaches ce soir, Rémi, à ton micro. Ok, merci pour autour du micro. Eh bien, tiens, tu passes quand même dans le voie basilaire de ta voix, hein, même sur verticale. Hein. j'ai une oreille en parallèle dessus, là. Donc là, ça fait un petit peu cacophonie parfois au QRA, mais je t'entends quand même. Enfin, j'entends des deux côtés là. Eh bien là, tout le week-end, j'étais sur le site où j'étais. J'étais en 19h, 7h. Et là, ce soir, je rembauche, hein, mais je rembauche à 21h.
Donc ça va, ça me laisse de la marge. Et demain matin, ben, je terminerai à 7h tout pareil. On met toi sur directive, Christian. Eh bien, un jour, il faudrait que je vois ensuite comment c'est déjà cette directive cadre horizontale qui est faite avec quatre cannes à pêche en fibre. J'ai ça sur le forum. À 17h05. J'aimerais bien avoir une petite pendule ici, là. Alors, j'ai déjà testé des solutions. Et c'est vrai que c'est un petit peu mal éclairé là où je suis en plus. Et j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. Avec quelque chose de tout petit mais qui s'éclaire, dont l'affichage s'éclaire comme sur le poste, quoi. Ça, d'accord. Mais j'ai pas encore trouvé. Et puis trop gros à placer parce que je vois que ça reste petit. Wow. Mixi Gretel, Capalouscou. Thank you.
Ok, bye bye, à plus tard. Oups. C'est un peu compliqué. Je suis sur le forum, je suis en fréquence et sur le téléphone. Ça va bugger pas tard. I'm going to go to the hospital.
N'oublie pas la crème de whisky. Allez, 73-51, Stéphane, 14 km, 33-01, Rémi, sur le département à Gironde, tu passes chez moi en direct. Oups. Thank you.
Là, je suis que sur le poste. Allez, 73-51 retourné, c'est un signal de 4 là au QRA. Donc ça arrive à passer, ça passe en direct. Hein. J'ai même coupé mon écoute là que j'ai sur le web SDR d'Ottawa pour t'avoir uniquement sur le poste. Là, ça passe bien en direct. Hein. Les 73-51 retourné. Saturé par moment et de réclamer une pause. Il se ferait payer qu'il deviendrait milliardaire pour le coup, tellement qu'il est à fond. Ah, ben, le SDR d'Ottawa aujourd'hui n'est pas à fond. C'est le navigateur qui fatigue. Et je relance. Donc là, je suis sur Windows, hein, donc si ça bug, normal.
qui est avec nous. Il a mis sa maïque derrière. Il a mis sa maïque derrière. Et puis, je n'ai pas regardé, c'est vrai que sur le vestiaire d'Ottawa, il y a un SMET aussi, je n'ai pas regardé à combien il arrivait. Bon là j'ai pas mal monté le volume aussi hein, pour l'entendre comme ça. Santiago 4. Ça par contre sur Tego 5. Oui, je suis toujours là. je l'ai eu directement sur le voie Bézière d'Ottawa. Donc les 73-51 à lui, de la part de 14 km, 33-01, Rémi, Dandy 33, sur le sud-ouest de France, département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion, le pays des ivrognes. Ça c'est fait. T'es plus rapide que moi. J'essaie d'écouter un... Oui, on l'a des deux côtés, hein. Thank you.
Zut, ok. Oui, ah ben, je suis toujours là, hein. C'est là, pour avoir un spécimen de connard, là, on en a un, hein. Putain la vache. Et en plus, et quand on regarde bien, et toutes les critiques, les méchancetés qu'il a pu dire, eh ben, le caractérise lui-même. C'est voilà, c'est ça. Il se décrit lui-même dans tout le toute la merde qu'il a balancée là sur les ondes. Ah, on va mettre ça sur le coup de l'alcool. Ah ben alors voilà derrière. Il est bon pour l'asile celui-là. Bon, je crois que là, je vais aller jusqu'à la fin de la batterie de la caméra. Ouais, c'est un abruti, c'est un ivrogne, ça se voit. Et là, on le voit bien, il a bu ces quelques litres de vinasse. Et puis là, il se lâche maintenant. Bah. Et parce qu'il a un indicatif, parce qu'il fait partie d'un groupe qui est assez répandu dans le monde, il se prend pour le maître du monde, celui-là. Quoi. Faut rester humble, mon gars, faut rester humble. Ah, Ikuert. Ah, enfin. Eh ben, dis donc. Et plus con qu'un con, eh ben, je crois qu'on l'a trouvé. Ouais, non mais parce qu'il se prend pour le maître du monde. Il fait partie d'un groupe qui est assez connu dans le monde. Ça y est, il s'octroie le droit de dominance sur le monde de la radio. Non mais c'est... qu'il aille retourner jouer dans son bac à sable avec ses gamins de la maternelle. Il y sera beaucoup plus à sa place. Oups, je suis en train de voir l'heure, 17h35, 17h40. Pour le coup, j'ai rien foutu de la journée, si ce n'est qu'être sur les ondes, enfin presque rien. Je vais te laisser, Gilles, je vais passer à mes occupations, mes occupations au QIRA. Je t'envoie le 73-51, Gilles, et
Je récolterai tes vidéos là demain matin, comme d'habitude, il n'y a pas de problème, Gilles. Ce sera avec grand plaisir que j'écouterai l'autre abruti là de ton côté. À moins que tu aies fait une coupure de vidéo de ton côté. Ce sera surprise, surprise. Allez Gilles, ainsi que les autres stations qu'il y a derrière et qui sont en même temps en écoute sur le Web SDR d'Ottawa, les 73 51 212 de la part de 14 km 33 01 Rémi, Dundee 33 sur le sud-ouest de France à côté de Saint-Émilion. Et à plus tard Gilles. Là, c'est retombé là. Ah bah ça a fait... Ça fait plouf. La propague, elle a fait plouf.